Ce que vous avez en commun. Les cheveux. Encore un petit peu. Deux ans et demi là, pas plus de semaines. Et on avait envie plus de créer un lieu de vie où tu viens pas juste manger ton truc et puis repartir et puis ensuite enchaîner sur autre chose. Pas faire un lieu que du midi ou que du soir. On est sur un spectre un peu plus large autour de la viande. C'est pour ça qu'on a un bar, c'est pour ça qu'on a, des bières qui changent hyper souvent. La vraie origine du truc, c'est le pain. Le premier truc que j'ai sorti, c'était imbouffable, c'est des briques. Le pain, il levait pas. Enfin, deux mois et demi après, je sors un pain dont j'étais hyper fier. Je suis venu avec mon petit bout de papier, j'ai été voir toutes les boulangeries du quartier. C'est pas juste des tranches de pain, Harry, ça peut être plus que ça, quoi. Il y a une vie de quartier entre les restaurateurs. Ouais, dans la rue, il y a une émulation qui est vraiment super cool. Je passe une fois par mois. C'est l'apéro des... Déjà, ouais, on fait un apéro tous les mois dans un des endroits qui fait partie du crew, entre guillemets. Alors du coup, pourquoi vous prenez le temps de faire un atelier café, par exemple, comme ça? Qu'est-ce que ça vous apporte? Déjà, coutume, c'est un peu le même principe qu'un boucher qui a sa bonne viande, ça le fait chier que tu la surcuises. Ouais. Coutume, ils font du bon café, du coup, ils n'ont pas trop envie que tu bousilles leur café avec des recettes... mal foutu, calibrage raté, tout ça. Donc ils tiennent à ce que les gars qui servent leur café soient capables de le servir correctement. Et fini sur le bar. Il est magnifique celui-là. Je suis content, on est sur la soirée hip-hop. Hein? Ouais, non, Renaud, il arrive dans 40 minutes. Ah merde. Combien de repas? En fait, ils ont leur propre monnaie ici. Tu leur donnes des euros, ils te donnent des groins. Nos activités en dehors de bosser chez John Viand ou John Circus, c'est... voilà, c'est ça. C'est boire et bouffer, quoi, dans le sens large. Ouais. Fais du lait. Olé. On est sur un petit truc timide, mais l'idée est là. En fait, ça vient. C'est un peu moi, ça.